manamapi eshati putra atras rupam rupam tasya kracha muri puri maturi ko Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Ananda Lila Maya Vitahaya He Mabhatya Pyatschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shikara Smaraha Sumurali Manohara Radhikar Sukumbam Kripanidhe Supriya Jayana Kankurim Kuru Tavai Rasmi Tavai Rasmi Najwa Mitraya Vina Devi Gaya Devi Tam Nama Charana First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarada Tamaguru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada, Ashtotarasatasi Rupanuga Charivaya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, to our Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur, and all of his Satparshad Brinda, his eternal associates, and to our entire Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Pujapad Sri Aristanasana Prabhu, Sri Uddhav Prabhu and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakala Kutunabhyastha Kripa Sandhubhyastha Madhita Mahavaniyo Vaishnavinyo Shila Gurudeva Ki Jai.
Come with me to the bank of the Ganges in the city of Kashi, Benares. Venez avec moi sur les berges du Gange dans la ville de Kashi, Benares. Sri Chaitanya Mahaprabhu is sitting at Manikarnika Ghat and Srila Sanatana Goswami with full attention is drinking the nectar from the lotus lips of Sri Chaitanya Mahaprabhu with his ears. Manikarnika Ghat, Sri Chaitanya est assis en compagnie de Sri Sanatana Goswami qui boit le nectar qui sort des lèvres de Chaitanya Mahaprabhu. And by the mercy of Sri Krishna Das Kaviraj Goswami, who has manifested Sri Chaitanya Charitamrita, we can also sit there and Sanatana Goswami is drinking so much nectar, but some drops may come in our ears too. Et par la grâce de Krishna Das Kaviraj Goswami, qui était aussi là, et parce que, bien sûr, Sanatana Goswami buvait par les oreilles tout ce nectar, il y a quelques gouttes qui sont tombées, et maintenant nous pouvons les goûter nous aussi, grâce à Krishna Kaviraj Goswami. Mahaprabhu was explaining different levels of devotees. Mahaprabhu expliquait différents niveaux de dévots. And especially we were hearing yesterday about the Uttam Bhagavata. Et on a spécialement entendu hier les gloires de Uttam Bhagavata. Visrijyati ridayam nayasya sakshad harir avasa bhitopi gobanashaha pranaya rasayana dritangri padma sa bhavati bhagavata padana ukta. Sri Krishna further explained about the Uttam Bhagavata that such a devotee, even though the Lord is so powerful that just this his name chanted by a person, even by accident, can destroy all pap, all sins. Donc Krishna expliquait que l'Uttam Bhagavata est tellement puissant que son nom chanté par quelqu'un même de façon inconsciente peut détruire tous les péchés. Ajamil was calling his son, not God, but because by chance he was in contact with the name of the Lord, all of his sins were destroyed. Par exemple, Ajamil qui appelait son fils, en fait il n'appelait pas Dieu, il appelait son fils, mais par chance son fils avait un nom de Dieu, alors tous ses péchés ont été complètement détruits. So how powerful is the Supreme Lord? Donc imaginez à quel point est puissant le Seigneur Suprême. He is so powerful that by his external energy Maya, he has bound unlimited jivas. Il est tellement puissant parce que par son énergie externe, Maya, il conditionne complètement une infinité d'entités vivantes. Yet, pranayana rasayana ditangri padma sa bhavati bhagat padana ukta. That very Krishna, who is so powerful, just as he was tied with the rope of love by Madhya Yashoda and he could not escape, so the Uttam Bhagavat, in the same way, has tied Krishna in the core of his heart with the rope of love, and Krishna cannot escape. He's helpless. Tout comme ce Krishna tellement puissant, il a pu être attaché par les cordes de l'amour de Mère Yashoda au mortier, qu'il ne pouvait plus partir. De la même façon, Uttam Bhagavat, par les cordes, les chaînes de son amour, il a attaché Krishna dans son cœur. Bhaktama preme bandhi ache hridaya bitare yaha net parita dekaye amare. Krishna has said, oh, the devotees who have praying, they have bound me in the core of their hearts. I cannot leave them. And everywhere they look, wherever their eyes fall, they see me everywhere. Et Krishna dit, oh, ces dévots qui ont le prema, alors ils m'ont attaché avec les cordes de l'amour dans leur cœur et je ne peux plus partir de leur cœur. Et partout où ils posent leur regard, ils ne voient que moi. So Mahaprabhu explained to Sanatana Goswami that for such a devotee, then all the great qualities, sarva mahat guna gan vaishnava sharire krishna bhakte krishna guna sakala sanchari, just as see Krishna is an ocean of wonderful qualities, so all those qualities of Krishna manifest in the body of the Vaishnava. Chaitanya Mahaprabhu explique à Sanatana Goswami que tout l'océan de qualité de Krishna se manifeste
à l'intérieur du Vaishnava. Because Krishna is in his heart, so Krishna's qualities are manifesting. Parce que bien sûr Krishna est dans son cœur, alors toutes ses qualités se manifestent. So Mahaprabhu is giving example from Srimad Bhagavatam. Yasyasti bhakti bhagavati akinchana sarva gunas tatra samasate sura harava bhaktasya kuta mahad guna manorate inasati dhavato bahi. The meaning is that yasyasti bhakti bhagavati akinchana, if a person is akinchan, that means they have nothing. Prabhu prend l'exemple du Bhagavatam. Donc, tout comme une personne akinchana, c'est-à-dire qu'il n'a rien de possible. Kinchana means something. Akinchana means nothing. Kinchana, ça veut dire quelque chose. Akinchana, rien. That means that the person has no possessiveness for anything in this world, including his own body and mind. He thinks nothing is mine. Everything belongs to Krishna. Ça veut dire que cette personne-là n'a aucun sentiment de possession pour quoi que ce soit dans ce monde, ni même son corps ou son mental. Il sait que tout appartient à Krishna. So he's akinchan. Or nishkinchan. A person in the renounced order, sannyas, there should be akinchan, nishkinchan. But Yudhishthira Maharaj, he's the emperor of the world, but he's still akinchan, nishkinchan. Because he never thought that his empire was for anything except for Krishna's service. Donc un sannyas, bien sûr, il devrait être akinchana, niskinchana. Mais on peut voir que même Yudhishthira Maharaj, qui était l'empereur du monde, alors il était complètement akinchana, niskinchana. C'est-à-dire qu'il savait très bien que tout son empire, c'était simplement pour le service de Krishna. So a person who has nothing, but he possesses Krishna's lotus feet, he feels that Krishna, you are mine. Then that person, it is said, sarvai guna is tatra samasate sura, all the good qualities of the devatas, the sura, the devatas manifest in that person. Une personne qui ne possède rien, mais qui sait qu'il possède les pieds par les lotus de Krishna, qui sait, oh, tu es mon Krishna, tu es à moi, alors toutes les qualités des devas, les sura, se manifestent en lui. So what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? You know Indra? He's a deva. Sometimes his behavior is not so good. Indra, c'est un deva. Et mais parfois ses activités, elles sont pas très très bonnes. Changing his form like Gautam Rishi. By a trick he went and secretly met with Gautam Rishi's wife. En prenant la forme de Gautam Rishi, il est allé secrètement rencontrer la femme de Gautam Rishi. The moon god also came with him. He was standing outside on guard, watching. Et le deva de la lune aussi est venu avec lui et il montait la garde devant la. When Gautam Rishi came there, oh, he caught Indra. He was so angry and he took his deer skin and he whacked the moon god. That's why if you look on the moon, there's the shape of a deer. With his deer skin. Deer skin. Avec, c'est pas son deer skin. Deer skin. Donc, you know the rishis in the forest, they have a deer skin. Donc quand Gautam Rishi est revenu donc à son chez lui et qu'il a vu, il était témoin de ce qui s'était passé. Alors il était tellement fâché qu'il a pris sa peau de daim et il a frappé comme ça la lune. C'est pour ça que la lune elle a des. And he gave a curse to Indra, and because of that curse, there are a few stages to the curse. We won't go into the details, but now Indra has thousands of eyes all over his body. Et donc il a maudit aussi Indra à cause de ça. Alors bien sûr il s'est passé d'autres choses, mais on va aller directement à la conclusion que à cause de cela il a plein des yeux sur tout son corps. So what does it mean? In the pure devotee, all the qualities of the demigods enter into it. We want these qualities. Donc alors qu'est-ce que ça veut dire que un pur devotee il a toutes les qualités des devas, mais est-ce que vraiment on veut ces genres de qualités? So this is not the meaning. Alors bien sûr c'est pas ça que ça veut dire. The meaning is that in our body, our senses are controlled by the devatas. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans notre corps, nos sens sont contrôlés par les devatas. Agni Dev gives the power to speak.
Agnidev, le Deva du feu, donne la capacité de parler. Suryadev gives the power to see. Suryadev, le Deva du soleil, la capacité de voir. Chandradev gives the power to think. Chandradev, le Deva de la lune, la capacité de penser. Indradev gives the power to grasp with the hands. Indradev, la capacité d'attraper avec les mains. So Ashwini Kumar gives the power to smell. Mais Ashwini Kumar, il nous donne la capacité de sentir. So in this way, actually, we are not independent. The devatas are giving us our sensory powers. En fait, de cette façon-là, pour comprendre, nous ne sommes pas indépendants. En fait, ce sont les devas qui nous donnent nos capacités sensorielles. Now the senses can be used in a positive or a negative way. Et les sens, ils peuvent être utilisés de façon positive ou négative. So when a person wants to do some sense gratification, then the devatas also act through their senses to do that sense gratification. Lorsque quelqu'un veut se gratifier les sens, alors les devatas agissent à travers ses sens pour lui permettre de se gratifier les sens. Lord Shiva is the predominating deity of the ego. Le Seigneur Shiva, c'est la déité prédominante de l'ego. So when someone is getting angry, then Lord Shiva is activating the ego. Destruction. Quand quelqu'un se met en colère, alors le Seigneur Shiva active l'ego, nourrit l'ego et la colère vient. But Lord Shiva himself is not angry. Mais bien sûr, le Seigneur Shiva, il n'est pas en colère lui. The devatas themselves are not engaged in a low class sense gratification. Les devas eux-mêmes ne sont pas engagés dans des gratifications sensorielles de basse classe. So not the negative qualities of the senses, but the good qualities of the senses manifest. Pas les mauvaises qualités des sens se manifestent, mais plutôt les bonnes qualités. In other words, Lord Shiva presiding over the ego will not make you angry, but he is very happy that you will be peaceful, so that you can meditate on Krishna. Le Seigneur Shiva, il ne va pas vous rendre en colère, mais il est très heureux de pouvoir vous permettre d'être en paix pour que vous puissiez méditer sur le Seigneur Shiva. So here, Sarvagun, all the qualities actually means all the virtues, because in English the word quality is not fixed. But here gun means all the good qualities of the devatas, that is the virtues of the devatas, are manifest in the devotee. Donc dans ce verset, parce que le mot qualité, c'est vrai qu'en français il peut être compris différemment, mais en sanskrit gun, c'est toujours les bonnes qualités, et c'est celles-là qui se manifestent dans le dévot, les bonnes qualités des devas. But more than that, because the devotee is engaged in drinking the nectar of Krishna's pastimes with his ears and chanting the nectar of the holy name, then the devatas who are involved in the senses, they're all celebrating, oh, by the association of this devotee, we'll all become perfect. Et pas seulement ça, en fait, le dévot qui est engagé dans écouter, boire les gloires du Seigneur Krishna par les oreilles, et à goûter le nectar des noms de Krishna par la bouche, alors les devas qui sont en charge de ces sens, eux aussi ils en profitent et disent, ah, par la compagnie, grâce à ce dévot, nous pouvons aussi entendre, écouter ces gloires. Because the devatas, they have different positions of management in the universe, but they're still in the material universe, and they are still subject to birth and death. Not Lord Shiva, but the others. Tous les devas, à part le Seigneur Shiva, en fait, ils sont à différentes positions hiérarchiques dans l'univers, mais ils sont quand même dans cet univers, donc ils sont sujets à la naissance et à la mort. So they also want to do bhakti, they also want to attain the mercy of the Lord, so they can become pure and go to the spiritual world. Donc ils veulent aussi, ils ont le désir aussi de pratiquer la bhakti, avoir la miséricorde du Seigneur suprême, et eux aussi ils veulent retourner au monde spirituel auprès de Krishna. So when the devotee is engaged in hearing and chanting and remembering, then the devatas of his senses also relish that bhakti and they become amazed. Ah, this is wonderful. Et lorsqu'un dévot vraiment engage tous ses sens dans la bhakti, alors les devas qui sont en charge de ses sens, ils peuvent aussi goûter cette bhakti et ils trouvent ça tellement merveilleux. Ah, adbhut! The demigods say, this is astonishing. Adbhut, ils disent, oh, c'est tellement surprenant. So, all the devatas, they help that devotee. Donc bien sûr, tous ces devas, ils vont aider ce dévot. So this is the meaning. Yasasti bhakti bhagavati akinchana savara guna statra samasate sura. Srila Jiva Goswami Pad gives another meaning.
Si la Jivago Somipad, il donne une autre explication. Sura does not cannot only mean demigods, but Sura can also mean great devotees. Sura ne fait pas seulement référence aux devas, mais aussi aux grands dévots. So throughout history, there have been many great devotees like Dhruva Maharaj, Ambarish Maharaj, and Chitraketu Maharaj, and Hanuman. There are many devotees throughout history. So when a person does Niskinchan Bhakti, then all the virtues of the great devotees like Prahlad Maharaj enter into that devotee. Donc Sura, ça veut dire aussi les grands dévots. À travers l'histoire, on sait qu'il y a eu des grands dévots comme Dhruva Maharaj, Chitraketu Maharaj, Hanuman, Ambarish Maharaj. Et donc un dévot qui va pratiquer la bhakti, alors toutes les qualités de ces grands Vaishnavas entrent en lui. So bhakti is so wonderful. This path of bhakti is so wonderful. Donc cette voie de la bhakti est tellement merveilleuse. Yasyasti bhakti bhagavati akinchana sarvai sarvai gunais tatra samasti sura. Second part of the verse. Arava bhaktasya kuta mahad guna manorate nasati davate bahi. But for those who are not devotees, then kutaha, where are their good qualities? Mais pour ceux qui ne sont pas engagés dans la dévotion, alors où est-ce que sont leurs bonnes qualités? They have no good qualities at all. Il n'y a aucune bonne qualité. In other words, their virtues are all material. Donc c'est une autre façon de dire que toutes leurs vertus sont simplement matérielles. But the devotee's virtues are transcendental. Alors que les vertus d'un dévot sont éternelles, sont spirituelles, transcendantales. So the qualities of the devotees here are listed 26 qualities of a devotee. Mahaprabhu will teach to Sanatana Goswami. Et Mahaprabhu ensuite enseigne les 26 qualités du dévot à Sanatana Goswami. Devotees are merciful. Ils sont miséricordieux. They are humble. Humble. They are mild. Ils sont mild. Gentle. Gentils. Yeah. Modérés. So these are the qualities. Now someone may say, yes, I see these qualities in the devotee, but I also see these qualities in the non-devotee. Alors bien sûr, on peut dire oui, je vois certaines de ces qualités dans les dévots, mais je les vois aussi chez des personnes qui ne sont pas du tout engagées dans la voie de la dévotion. Oh, then you are making aparad to the devotees. Alors vous faites une offense envers les dévots. Because you are projecting the material qualities on the devotee. Parce que vous projetez des qualités matérielles sur le dévot. The non-devotee can be humble from the conventional social perspective, but that is material humility. And the humility of the Vaishnava is aprakrita, transcendental, supernatural humility. It may look the same to an ordinary person, but it's completely different. Bien sûr, là, vous allez trouver des personnes mondaines qui sont humbles, mais c'est une humilité qui reste matérielle, alors qu'un pur Vaishnav, son humilité est complètement apraklita, c'est-à-dire transcendantale. Et peut-être ça semble pareil à nos yeux, mais c'est totalement différent. The non-devotee, he can be merciful and compassionate, but this is material compassion in the mode of goodness. Don't think that the devotee has material compassion in the mode of goodness. He has aprakrita karunya, supernatural, transcendental compassion. Bien sûr, une personne mondaine peut avoir de la compassion, mais ça reste une compassion qui est au niveau de la vertu matérielle. Ne pensez pas que le pur Vaishnava, sa compassion, elle est dans la vertu matérielle. Elle est complètement aprakrita karunya, c'est-à-dire une miséricorde transcendantale. You can see a Buddhist. That's very humble. Il est très très humble. This is material humility. Ça c'est une humilité matérielle. And Hanuman. Hanuman is Trinadapisunichena. Hanuman il est Trinadapisunichena. More humble than a blade of grass. Plus humble que le brin d'herbe. How did Hanuman manifest his humility? Comment est-ce que Hanuman a manifesté son humilité? By going to Lanka and burning it to the ground. Il a manifesté en allant au Sri Lanka et a complètement brûlé, détruit tout le royaume de Ravana. This is Trinadapisunichena. Ça c'est plus humble que le brin d'herbe. Why is he going into the enemy territory across the sea and fighting with Ravana and all the demons by himself? Why is he doing this? Pourquoi est-ce qu'il va sur le territoire des démons de Ravana et que lui tout seul il se bat contre toute une armée? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Not for himself. Il ne le fait pas pour lui-même. For Lord Ram.
Il le fait pour son Seigneur Ram. So real humility is that we never do anything for ourselves. Everything we do is for Krishna. La réelle humilité, c'est de ne rien faire pour nous-mêmes et de agir simplement pour notre Seigneur Krishna. As soon as you do something for yourself, now this is ego, pride. I am important. I am significant. I am the center of the universe. À partir du moment où nous faisons quelque chose pour nous-mêmes, alors ça veut dire que nous avons un ego, une certaine fierté, nous pensons être le centre de l'univers. No, Krishna is the center of all existence. Et non, c'est Krishna qui est le centre de toute existence. Everyone should act only for Krishna's pleasure. Nous devrions agir simplement pour le plaisir de Krishna. So the humility of the Vaishnava is transcendental and real, and the humility of the non-devotee is only an illusion. L'humilité d'un pur Vaishnava est complètement transcendantale et réelle, alors que l'humilité d'une personne mondaine est illusoire. It is just coming from manorate nasati dhavato vahi. That means it is a mental speculation, not actually a virtue. Ça vient d'une spéculation mentale, pas d'une vertu. Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he said, for to save one penny belonging to Krishna, I can or destroy millions of people. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disait, pour pouvoir sauver un centime qui appartient à Krishna, je suis prêt à détruire des millions de gens. So our Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshmaj, when he heard this, he went, he said, when I heard it, I could not digest it. I felt disgusted. Mais notre Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, quand il a entendu ça de son maître spirituel, c'est resté bloqué. Il n'arrivait pas à digérer ça. It's astonishing because he is fully surrendered to Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur. He has full faith, but he said, when I heard it, I could not digest, and my mind was disgusted. Et bien que c'était son maître spirituel et qu'il avait pris pleinement refuge, il a élevé une foi totale quand il a entendu cela, alors c'est resté coincé, il ne pouvait pas le digérer, il a même été dégoûté. But later, by the mercy of Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he realized, in this saying, this is the essence of all Veda, Vedanta and Upanishads. Mais plus tard, il a réalisé que cette phrase de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, c'était l'essence de tous les Vedas, les Upanishads, les textes sacrés. I'm seeing some faces that don't look so convinced. Je vois là quelques visages qui n'ont pas l'air très convaincus. Try to listen and understand deeply. Essayez vraiment d'écouter et de comprendre très profondément. If there's a penny, ici il y a un centime. And it's been offered to Krishna. Et il a été offert à Krishna. Now this is Krishna's prasad penny. C'est du prashad, c'est un centime prashad. Everything in this world is insignificant. Tout dans ce monde est insignifiant. Everything is limited and imperfect. Tout est limité et imparfait. Everything is inconsequential. Tout n'a aucune conséquence. But when something becomes connected with the Supreme Lord, it now becomes perfect. Mais quand une chose de ce monde est connectée au Seigneur suprême, alors cette chose devient parfaite. It now has eternal value and auspiciousness. Maintenant, elle transporte des vertus éternelles et des bons auspices. So whatever is connected to Krishna is divine. Donc tout ce qui est connecté à Krishna devient divin. Perfect. Parfait. And whatever is disconnected from Krishna, however by Maya it may look to be valuable, it is completely useless. Et toute chose qui n'est pas connectée à Krishna, même par l'influence de Maya, de l'illusion, cette chose nous paraît très très précieuse, en fait elle ne vaut rien du tout. And this is the teaching of the Upanishads. Et ça, ce sont les enseignements des Upanishads. Tamaso ma jyotir gamaya, come out of the darkness and go to the light. Sortez de des ténèbres et allez vers la lumière. The darkness is seeing the value in the material objects, and the light is only seeing value in Krishna, his associates, and that which is connected to Krishna. Les ténèbres, c'est voir de la valeur dans des choses matérielles qui ne sont pas connectées à Krishna. Alors, ça c'est les ténèbres. La lumière, c'est de voir Krishna, ses compagnons éternels et tout ce qui est connecté à Krishna avoir de la valeur. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, out of his causeless mercy, to shock us and wake us up from the material dream and give us the vivek, discrimination,
he gave an extreme example. Donc Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, pour nous réveiller de notre rêve matériel et pour nous donner du vivek, c'est-à-dire capacité de discriminer, alors il a utilisé un exemple comme ça très extrême. To protect one penny belonging to Krishna, I can let millions of people perish. Pour protéger un penny, un centime qui a été offert à Krishna, je peux laisser mourir, périr des millions de gens. Because Atma is not going to perish. The soul is eternal. It's only their material circumstances, worthless material circumstances. Parce que bien sûr, également, l'âme spirituelle de toutes ces personnes-là, elle est éternelle. C'est simplement leur corps, leurs circonstances matérielles qui va périr. So you can take your temperature, see how high is your material fever. Donc là maintenant, vous pouvez prendre votre température et voir si vous avez de la fièvre matérielle. If you don't agree with this point, then your fever is still high. Si vous ne pouvez pas pleinement accepter ce point, alors c'est que vous êtes encore un petit peu fiévreux. Some sickness is still there. Il y a encore un petit peu de maladie. You have to take a bigger dose of the medicine. Alors il va falloir prendre une plus grosse dose de médicaments. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that is what Mahaprabhu is explaining here to Sanatan Goswami. That the devotee has all great transcendental virtues and the non-devotee has no qualities at all. Donc c'est ce que dit aussi Chaitanya Mahaprabhu et Sanatana Goswami, que le pur dévot, il a toutes les qualités en lui, alors que la personne qui n'est pas engagée dans la dévotion, il n'a aucune qualité. So, then Mahaprabhu explain. Give another example. Mahat sevam dwaram aho vimuktes tamodwaram yoshitam sangi sangam vimanyava mahantaste samachita prashanta vimanyava surada sadavoye. Also from Srimad Bhagavatam, here it is said, the door to liberation is serving those mahat, those great devotees. Donc Mahaprabhu utilise un autre exemple tiré du Bhagavatam quand il enseigne Sanatana Goswami. Il dit la porte de la libération sert ces mahat, ces grands dévots. Mahat sevam dwaram. Service to the great devotees is the door. Mahat sevam dwaram. Oh, vimukte. Here it is not mukti but vimukti. Here vi means different types, vishesh, different types of liberation. So by serving great personalities, it opens the door to the five different types of liberation. Et aussi en servant une telle personne, un tel pur dévot, alors la porte de Vimukti, ici c'est pas seulement dit Mukti, mais Vimukti, c'est-à-dire des différenciations différentes, et il y en a cinq, donc en servant une telle âme, alors la porte de cinq types de libération est ouverte. For example, Mahat is a liberated soul, but if his inclination is towards Brahman, then by serving that person, you will get Sayuja Mukti. Par exemple, une personne Mahat qui est inclinée plus vers le Brahman, alors vous allez obtenir la libération impersonnelle. Sayujya. But if that Mahat, that great soul, is a Vaishnava, then you may attain Shashti, Samipya, Salokya, Sarupya, to have a form like the Lord, to live on the same planet as the Lord, to be very close to the Lord, or participate in the same opulences as the Lord. Mais si vous servez un Vaishnava qui a une relation avec le Seigneur, alors vous pouvez obtenir quatre autres sortes de libération, qui est la libération, vous avez la même forme que le Seigneur, vous êtes sur la même planète que le Seigneur, vous êtes très lié avec le Seigneur, ou vous avez des divertissements avec le Seigneur. Tamodharam yoshita sangi sangam. And there is a door to hell. Il y a aussi une porte vers l'enfer. The door to hell is the association of those who attach to sex life. Et la porte de l'enfer, c'est la compagnie de ceux qui sont attachés à la vie sexuelle. He said the association of women and yoshitsangi, that means men who attach to women. Donc c'est dit l'association aux femmes et aux hommes qui sont attachés aux femmes.
So this is not against women. This was spoken to a man. So for him, his Maya is the association of the opposite sex and associating with those who are attached. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui est contre les femmes. C'est simplement que là, Mahaprabhu parle à un homme. Donc pour lui, l'attachement d'un homme, c'est forcément une femme, et vice versa. Et ou alors l'attachement à un homme qui est attaché aux femmes. And of the two, the association of a man who is attached to women is worse than association with a woman. Et donc de ces deux choses, la compagnie vraiment des femmes ou la compagnie d'hommes qui sont attachés à une femme, la compagnie d'un homme attaché à une femme est encore pire. Because if you associate with a woman, you may be respectful, but if you associate with a man who is a debauchee, you will learn from him great disrespect and sinful habits. Si vous prenez la compagnie d'une femme, alors vous pourrez le faire avec respect. Mais si vous prenez la compagnie de quelqu'un, d'un homme complètement débauché qui respecte pas du tout les femmes, alors vous allez apprendre de lui et vous allez devenir vous-même un débauché. So there are two doors. We have to choose which door we will go through. Donc il y a deux portes. Il va falloir choisir quelle porte nous voulons emprunter. So select your association very carefully. Donc vraiment choisissez votre compagnie, vos fréquentations très avec beaucoup de rigueur. Now, in the second part of the verse, it is said, Mahantaste samachitta prashanta. These great souls, they are samachitta. So for the impersonalist, that means that they see everything equally. Ces grandes âmes, elles sont samachitta. Donc pour un impersonnaliste, ça va être que cette âme-là va voir les choses complètement égales, équanimité. Yes, they don't see a difference between larky and lakri. Larky means a girl and lakri means a piece of firewood. Ils ne vont pas voir de différence entre une femme et un morceau de bois enflammé. So that is samachitta for the impersonalist. But for the personalist, for the devotee, here samachitta means that they are kutilya shunya. They are free from duplicity. The heart is very simple and sincere. Donc ça c'est pour un impersonaliste, mais pour un personnaliste, c'est-à-dire un dévot, un Vaishnav, il va voir que le cœur il n'a aucune duplicité. So mahantaste samachitta prashanta. Now prashanta for the impersonalist, it means they're in the peace of the Brahma upasana, worshipping the light of Brahman. Puis pour l'impersonaliste, alors cette grande âme, c'est une âme qui adore le Brahman impersonnel. And the same word prashanta for the devotee, prashanta peaceful means they're absorbed in the joy and the love of a Bhagavad Upasana, worship of Krishna. Mais prashanta, ce même mot pour le personnaliste, pour le dévot, c'est que cette âme, elle est absorbée dans la joie de l'amour pour Krishna. Vimanyava surida sadavoye. So, on the previous line, the words, each word has two different meanings, depending whether it's Brahma Upasaka or Bhagavad Upasaka. But in the last line, all the words have the same meaning for both. Donc dans la première partie du verset, chaque mot a deux interprétations suivant si c'est pour un impersonnaliste ou un dévot, un personnaliste, mais les derniers mots dans la deuxième partie du verset, c'est la même signification pour les deux. Vimanyava surida sadavoye. First Vimanyava, they have the quality of not becoming angry. Ils ont cette qualité de ne pas se mettre en colère. That is material anger. La colère matérielle, bien sûr. Impersonalists don't become angry, but devotees can become transcendentally angry. Les impersonalistes ne se mettent pas en colère, alors que les dévots ils peuvent se mettre transcendantalement en colère. So the example of Hanuman we already mentioned. On a parlé tout à l'heure de l'exemple de Hanuman qui a brûlé tout Lanka. So, Vimanyava Surida means they have the friend of every living entity. They bring auspiciousness to everyone. Puis ils sont l'ami de toutes les entités vivantes. Ils apportent la bonne fortune aux entités vivantes. Vimanyava surida sadvoye. Here sadhava means that the pure devotee doesn't accept the faults of others. Puis le pur dévot n'accepte pas les fautes des autres, ne voit pas les fautes des autres. Then person may have many faults,
But sadhu does not see the faults. Une personne peut être emplie de fautes, mais le sadhu, il ne va pas voir ses fautes. In fact, our Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshavmaharaj, he used to say, if there is a disciple and he is ill behaved and he has many faults and bad qualities, but he is superior to that person who has all good qualities but does not have nishta in his guru. You understand? If there's a devotee, he's ill-behaved, he does not have any good qualities at all, but he has nishta, he has loyalty to his guru, then he is considered to be transcendental. But if a person has many, many good qualities, but he is not loyal to his guru, then he is useless. Donc notre Param Gurudev, Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, il disait, en fait, si un disciple, il a toutes les bonnes qualités, mais il n'a pas une foi ferme dans son maître spirituel, alors un autre disciple qui a vraiment aucune bonne qualité, mais qui a par contre une foi ferme dans son maître spirituel, il lui est supérieur. That disciple who has many bad qualities even, but he has nishta, loyalty, faith in his guru, he'll become perfect. Pourquoi? Parce que ce dévot qui a beaucoup de mauvaises qualités, mais qui a une nishta, une foi ferme, une loyauté envers son maître spirituel, alors il atteindra la perfection. And the person who has many worldly virtues, but he does not have nishta, loyalty in his guru, then he will never ever be delivered from this world ever. Mais un disciple qui a beaucoup de bonnes qualités mondaines, d'un point de vue matériel, mais qui n'a pas ce nishta, cette loyauté envers son maître spirituel, alors jamais il ne pourra progresser, jamais il ne sortira. So, Mahaprabhu is giving this discussion so that we can adjust our vision. Mahaprabhu, il explique cela à Sanatana Goswami pour que nous puissions ajuster notre vision. Don't judge devotees on material criteria. Ne jugez pas les dévots sur des critères matériels. We only see the devotee's advancement in terms of the spiritual criteria of a sraddha in guru, sadhu and shastra. Their faith. La seule point d'avancement que nous pouvons voir chez un dévot, c'est sa nishta, sa foi, sa loyauté envers son maître spirituel, les Vaishnava et les shastras. Otherwise, there's a great possibility that one will commit the first offense to the holy name, to be critical of devotees. Sinon, on sera très enclin à commettre la première offense au saint nom, qui est critiquer un dévot. So, in Vaishnavism, in Bhakti, we have a different calibration, a different system of measurement. Dans la Bhakti, nous avons un système différent de mesure. Like in America, they use pounds. Right, but in Europe you use kilos. Par exemple, aux États-Unis, on utilise les pounds. En Europe, c'est les kilos. Let's say, oh, this man is 200 pounds. And in Europe, they say, what does that mean? Si quelqu'un nous dit, cette personne-là, elle fait 200 pounds, nous, on ne comprend pas. On ne sait pas trop ce que c'est. Oh, maybe it's like, whatever, 80 kilos, 90 kilos. Peut-être 80 kilos. So, you have to don't measure devotees by the material criteria. Donc ne jugez pas, ne mesurez pas un dévot par rapport à des critères matériels, de qualité matérielle. Rupa Goswami a said, drishtva subhava janita vapushastudo sar. Krishnaiti yasi gritam manasadriyeta tikshasti chet prandibhischa bhajantamisham sususraya bhajana vigyam ananya anya. If a person is chanting Hare Krishna, you should respect them from the core of your heart. Si une personne chante Hare Krishna, vous devriez la respecter du fond de votre cœur. Whether they are initiated or not initiated. Qu'ils soient initiés ou pas initiés. You must respect them from the heart. Vous devriez les respecter de votre cœur. And if someone has diksha, initiated. Mais si une personne est en plus de cela initiée, then what to speak of from the heart? You should respect them from the heart and also give dandavat pranam.
pas seulement vous allez respecter du fond de votre cœur, mais en plus de ça, vous allez offrir des hommages. And if someone is bhajana bhigya mananyam, bhajana bhigya means realized in bhajan, then susru sraya, one should listen to that person, serve that person and give your whole life to that person. Mais si vous trouvez quelqu'un qui est réalisé dans le bhajan, alors vous devriez écouter de cette personne, servir cette personne et donner votre vie à cette personne. So these are the ways that we interact with devotees on this criteria, not on the criteria of material qualities. Donc c'est de cette façon-là que nous agissons entre dévots, nous relationnons entre dévots sur ces critères-là, pas du tout sur les critères de qualité matérielle. Now, Mahaprabhu is saying, Krishna bhakti janma mool hoye sadhu sangha, prema bhakti janme tena puna mukya anga. The root cause of the appearance of bhakti is the association of Vaishnavas. Maintenant, Mahaprabhu explique que la racine et la cause de la bhakti qui se manifeste dans le cœur, c'est la compagnie d'un Vaishnava. But, this is very important, prema bhakti janma, even when we progress up to the stage of praying, then still the association of sadhus is the main cause of advancement, even in that stage. Mais il est très important de comprendre que même lorsque nous, graduellement, nous progressons, même jusqu'à Prem, encore à Prema, la compagnie des sadhus, c'est encore cet ingrédient qui nous fait avancer. Just like a person may say, yes, I associated with the sadhu 20 years ago. Quelqu'un pourrait dire, oui, je me suis associé avec des sadhus il y a 20 ans. Lava matra sadhu sangha, half a moment gives all perfection, so I don't need any more moments. J'ai entendu que même pas la moitié d'un moment donne la perfection, donc je n'ai pas besoin d'autre chose. Chaitanya Mahaprabhu saying, no, no, this is not the correct understanding. Chaitanya Mahaprabhu dit, non, ce n'est pas la compréhension correcte. Prema bhakti janme teno puna mukya anga. Even when you get to praying, then still sadhu sangha is mukya anga, the main anga of bhakti that causes our progress. Non, Mahaprabhu dit même que lorsque vous êtes à Prem, au pur amour divin, alors la compagnie des sadhus c'est l'ingrédient principal pour nous faire évoluer encore. So Mahaprabhu is giving an example from the third canto of Srimad Bhagavatam. Satam prasangan mama viya sambido pavante ritkarna rasayana katha tadyoshnat ashva bhavarga vartmani sadharatir bhakti anukramisyati. The meaning is that satam prasanga, in the association of devotees, then the mamaviya sambidho, the discussion of Krishna's pastimes, is very virya, full of power. On prend un autre exemple du troisième chant du Bhagavatam, où il dit que dans la compagnie de dévots, alors les discussions sur les gloires de Krishna, sur les divertissements de Krishna, sont pleins de puissance. What kind of power? Quelle sorte de puissance? Here, sambido indicates sambit shakti. Donc, sambido, ça indique la sambit shakti. Sambit shakti is Krishna's internal potency, the vritti of Krishna's internal potency, which reveals him, sambit shakti, it is the knowledge potency which illuminates Krishna's existence. C'est la sambit shakti, c'est la fonction de son énergie interne qui le fait se révéler à nous. So there's a difference between knowing a material object and knowing Krishna. Il y a une grande différence entre connaître un objet matériel et connaître Krishna. If you try to know a material object, you can learn many different things about that object. So much data and information about that object, and you build up your information until you have the full picture of the object. Si vous voulez connaître un objet matériel, alors vous pouvez l'étudier sous tous ses angles, avoir différentes informations sur cet objet, et finalement vous construisez votre compréhension de cet objet. That's called paricchinna gyan, knowledge in bits. Ça s'appelle la connaissance par petits morceaux. But Krishna cannot be cut into pieces. Mais Krishna ne peut pas être. Krishna is Advaita, he is the non-dual reality. Krishna est la réalité non-duelle. So you can only know Krishna as he is, without not bits of him. On peut seulement connaître Krishna tel qu'il est, pas des petits morceaux. So that knowledge of Krishna is
Krishna is illuminated to our consciousness by his sambit shakti. Donc cette connaissance de Krishna, elle s'illumine dans notre conscience par son énergie qu'on appelle la sambit shakti. So all that is required is one simply has to give submissive oral reception to the Shabda Brahma, the transcendental sound appearing on the lips of Guru. La seule chose que nous ayons à faire, c'est vraiment tendre attentivement l'oreille au Shabda Brahman, c'est-à-dire le son transcendantal qui émane de la bouche du Guru. And because that transcendental sound is imbued with sambhik shakti, Krishna's self-illuminating potency, therefore, by listening to Harikatha, then see Krishna reveals himself to the consciousness of that devotee. Et parce que le son des lèvres de ce pur dévot est gorgé de sambhik shakti, alors simplement si nous le laissons entrer dans notre oreille, alors cette sambhik shakti qui est la révélation ou le Krishna qui par sa propre radiance qui se révèle dans notre cœur. So the spiritual education does not depend on whether you have a degree or a master's or a PhD. L'éducation spirituelle ne dépend pas de votre éducation matérielle, vous ayez une licence ou une maîtrise. If the disciple is not Swatantra independent. Si le disciple n'est pas indépendant. And he's not Swartha, having selfish interest. Et qu'il n'est pas Swartha, c'est-à-dire avoir des intérêts égoïstes. And he is the adhin, that means submissive to the spiritual master and always serving. Et qu'il est constamment soumis au maître spirituel et le sert constamment. Then simply by listening to Harikatha, then the absolute truth will make his appearance within the subjective consciousness of that disciple. Alors en écoutant son maître spirituel et les mots de son maître spirituel, alors cette réalité se manifestera dans sa conscience, s'illuminera dans sa conscience. So satam prasangan mama virya sambedo, in the association of saints, then this katha has a sambit shakti, the self-revealing potency, so we can realize Krishna. Dans l'association donc, des grands saints, alors cette kata, cet enseignement, elle transporte la sambhit shakti, cette énergie qui s'auto-illumine dans la conscience. Bhavanti ritkarna rasayana kata. And this kata is like a rasayana, a tonic. Et cette kata, c'est comme un rasayana, un tonique spirituel. Just like a person, if they are weak, they can take a tonic and they become strong. Tout comme quelqu'un qui se sent un petit peu faible, il peut prendre un tonique, une boisson tonique et ouf, il se sent. So when we take the tonic, we listen to Harikatha, we become very strong in our spiritual life. Et donc lorsque nous prenons ce tonique de la Harikatha, alors nous prenons de la vigueur dans notre vie spirituelle. Bhavanti rit karna rasayana kata, and it gives pleasure to the rit, to the heart, and to karna, to the ears. Et il donne plaisir au cœur et à l'oreille. Because our heart sometimes feels sad. Parfois notre cœur se sent triste. Why? Material attachments. Pourquoi? C'est les attachements matériels. If you have any material attachment, you will feel miserable. Si vous avez n'importe quel attachement matériel, vous vous sentirez misérable. As soon as you have no hope in this world for anything, become happy. Une fois que vous n'avez plus aucun espoir dans ce monde matériel, alors vous devenez heureux. Ashahi paramam dukam. Nirasha paramam sukam. You know there was a prostitute named Pingala. Vous connaissez peut-être l'histoire. Il y avait une prostituée qui s'appelait Pingala. She went out of her chamber and was standing at the post and watching the men going by on the street. Et donc elle était sur le pas de sa chambre, comme ça, et elle regardait les hommes, ses clients potentiels passer dans la rue. She was dressed very beautifully, trying to attract a client. Et elle s'était vraiment habillée de façon somptueuse pour essayer d'attirer les clients. She was thinking, oh, here comes a man, he looks very rich. Maybe he'll be my client tonight. Et donc elle voyait par exemple un homme arrivé, ouh, il a l'air bien riche, s'il vient mon client, ça va être bien. But then when he walked past, oh. Mais il s'arrêtait pas. Elle était vraiment désespérée. Oh, maybe this one. Peut-être celui-là. So she was, but many were gone. And every time someone neglected her, she was feeling pain. Et donc à chaque fois que les hommes passaient devant elle sans même la remarquer en la négligeant, alors the whole night was almost over.
et la nuit était presque finie. And she was suffering the whole time. Et elle souffrait toute cette nuit. So she was thinking that the night is almost over now. Probably tonight I'll have no customers. Et elle s'est dit, oh là là, ça y est, la nuit est quasiment finie et je vais avoir aucun client. So she became hopeless. Alors elle a perdu espoir. Tonight there'll be no customers. I don't care. Ok, bah tant pis, cette nuit-là, il n'y aura pas de clients. And as soon as she had this mood, she gave up all hope. Then she felt happiness. Et immédiatement, quand elle a perdu tout espoir, elle a senti une joie dans son cœur. So then she realized, Asha hi paramandukam, to have a material desire is to suffer. Et elle a réalisé qu'en ayant des espoirs matériels ou des désirs matériels, alors elle a souffert. And to be hopeless in this world, that is happiness. Et n'avoir aucun espoir dans ce monde, c'est la joie. So, the Harikatha gives pleasure to the heart. Why? Because when this katha comes in, it washes away all the material hopes. Donc pourquoi est-ce que la Harikatha donne de la joie au cœur? Parce que quand elle arrive par l'oreille dans le cœur, alors elle nettoie, elle enlève, elle chasse tous les espoirs matériels. And then you feel happy. Et immédiatement, vous sentez la joie. Donc. And also, there is not only Sambit Shakti, but in this katha there is Ladini Shakti. Il n'y a pas seulement la Samvit Shakti, mais dans cette kata, il y a aussi la Ladini Shakti. So, as one advances, he begins to experience the Ananda, transcendental joy. Et au fur et à mesure que le dévot avance dans sa vie spirituelle, il expérimente de plus en plus cette joie transcendantale. Tadyoshnad Ashavagavatmani. By listening to Harikatha, gradually you begin to understand the path of out of this material world. Graduellement, à force d'entendre les Harikatha, vous commencez à percevoir la voie qui vous mène en dehors du samsara jusqu'à Golok Vrindavan. And in the last line, Sradharati Bhakti Anukramasati, as you go on hearing again and again, you develop Sraddha, Rati and Bhakti. Et au fur et à mesure, à force d'entendre, vous développez Shraddha, Rati et Bhakti. So Shraddha here means faith, that is the eligibility to begin Vaidhi Bhakti. Donc dans ce cas-là, Shraddha veut dire la foi qui nous donne cette éligibilité de commencer à marcher sur la voie de la Vaidhi Bhakti. That is faith in scripture. La foi dans les textes sacrés. There's another kind of faith that is called Lobamohi Shraddha. That is faith which is full of greed. To relish the sweetness of Krishna's pastimes. Il y a un autre type de foi qui est pleine d'avidité de goûter les divertissements de Krishna. That is the eligibility for Raganuga Bhakti. Et ça, c'est cette foi qui nous rend éligibles à la Raganuga Bhakti. So first, by association of devotees, Shraddha comes. Donc d'abord, par la compagnie des dévots, alors Shraddha, la foi. And you can do sadhana. Practice. Et grâce à cette shraddha, vous allez pouvoir commencer votre sadhana, votre pratique spirituelle. So then, shraddha rati. The word rati indicates bhav, which is the result of sadhan. So you will go from sadhana bhakti to bhava bhakti. Donc rati, c'est le résultat de la sadhana. Donc vous allez passer de sadhana bhakti à bhav bhakti. And then the word bhakti here means prem bhakti. Et so sadhana rati bhakti means first you do sadhan, then you get bhav, then you get prem. Et bhakti dans ce cas-là veut dire prem, le but, l'amour. Donc vous allez d'abord faire la sadhana bhakti, puis la bhav bhakti et finalement prem. Prema bhakti, yes. Anukramishati. Step by step, and one goes through these stages how? By being in association of Vaishnavas and hearing again and again. Et ça se fait graduellement. Et ça se fait en écoutant encore et encore les enseignements, les katas, dans la compagnie des dévots. So then Mahaprabhu said, it is better to be put inside a cage. And then the cage be put inside a fire, than to associate with materialistic people. Et là, après Mahaprabhu dit, en fait, il vaudrait mieux être mis dans une cage et que cette cage soit mise sur un brasier plutôt que de prendre la compagnie de gens très matérialistes. Mahaprabhu said, one should not even see the faces of those who are not devotees. Mahaprabhu, il va même jusqu'à dire, nous ne devrions même pas voir le visage de quelqu'un qui n'est pas dans la voie de la dévotion.
So then Mahaprabhu explained that those who develop faith, they surrender their life to Krishna. Puis Mahaprabhu explique que ceux qui développent cette foi, ils s'abandonnent, ils offrent complètement leur vie à Krishna. Because Krishna has said in Bhagavad Gita, sarva dharman pratyajya mamekam shanam braja aham tam sarva papebhyo mokshayishami masutaha. Hey Arjun, give up all material dharmas and surrender yourself fully to me. Krishna dit à Arjuna dans la Bhagavad Gita, « Oh Arjuna, abandonne tous tes dharmas matériels et abandonne-toi simplement à moi. » I will protect you from all karma, karmic reactions. Je te protégerai de toutes les réactions de tes actions. Don't be afraid. Ne sois pas effrayé. So Mahaprabhu gives an example. Oho bakiham stanakalakutam jigangsayapyayayad apyasadvi labai gatin tatrochitam tatonyam kamba dayalu sharanam brajema. This verse is spoken by Uddhav. Not this Uddhav. Krishna has left this world and he's crying in separation. And Uddhav said, oh, who will not surrender to Krishna? Ce verset a été parlé par Uddhava. En fait, Krishna était parti de ce monde et Uddhava commence à dire, mais qui ne s'abandonnera pas à Krishna? What kind of person will not surrender to Krishna? Quelle sorte de personne ne va pas prendre refuge en Krishna? Because Krishna is so kind that Putana, who was a Rakshasi drinking the blood of children, put poison on her breast and came to kill him, but Krishna very mercifully liberated her and sent her to Golok, and she became the assistant of his nursemaid there. Imaginez donc que ce Krishna, en fait, il a libéré Putana qui était une sorcière qui buvait le sang des enfants et qui avait enduit son sein de poison pour essayer de tuer Krishna, et Krishna il l'a libéré et maintenant elle est dans le monde spirituel, elle est comme une servante des nourrices de Krishna. So who will not surrender to Krishna? He's so kind. Donc qui est-ce qui ne va pas s'abandonner à Krishna? Qu'est-ce qui ne va pas prendre refuge en Krishna? Il est tellement généreux et gentil. Try to understand. In this world, you have to surrender anyway. Essayez de comprendre que dans tous les cas, vous devez vous abandonner dans ce monde. You have to serve your wife or your husband. Vous devez servir votre femme, votre mari. You have to serve your children. Vous devez servir vos enfants. You have to serve your manager at work. Vous devez servir votre patron au travail. Or you have to earn money and give it to the government in tax. Vous devez servir le gouvernement en payant des impôts. Otherwise, you get a dog or a cat to serve your cats and dogs. Et sinon, vous allez prendre aussi un chien, un chat pour pouvoir servir votre chien et votre chat. But what is the result of all this service? Mais quel est le résultat de tous ces services? You just grow old and die, and then get all karmic reactions. Vous allez vieillir, vous allez mourir, et vous allez récolter toutes les réactions karmiques de ça dans vos prochaines vies. What if someone offered you a new job? Imaginez quelqu'un vous offre un nouveau. Hey Nityananda, don't work in that restaurant anymore. Hey Nityananda, travaille plus dans ce restaurant. You can work in this job. Tu peux travailler dans ce métier-là. This job is only one day in the year. Ce travail, c'est seulement une journée par an. You just have to sit and drink some lemonade. Tu as juste à t'asseoir et boire un petit peu de limonade. And the pay is $10 million. Et en plus, c'est payé 10 millions de dollars. Per day. Par jour. So will you stay in the restaurant? Tu vas rester dans le restaurant. Or do you want to have this job? I will drink lemonade. But. Mais. You will still die. Mais tu vas quand même mourir. So forget that job also. If you work for Krishna, si tu travailles pour Krishna, you will become immortal. Tu vas devenir immortel. So leave that restaurant, leave this lemonade job also, and surrender to Krishna. Abandonne ton travail au restaurant, abandonne aussi la limonade et abandonne-toi à Krishna. Krishna is so merciful. If someone tries to kill him, he sends them to the spiritual world. Krishna est tellement miséricordieux que si quelqu'un essaye de le tuer, il l'envoie au monde spirituel. So what will Krishna do for that person who is trying to serve him?
Donc imaginez ce que Krishna va faire pour cette personne qui essaye de le servir. We cannot imagine. On peut même pas imaginer. You know what he'll do? Vous savez ce qu'il fait? Krishna gives himself. En fait, il va se donner lui-même. He becomes under your control. Il se soumet à votre contrôle. So you have to choose. Vous devez choisir. Which job do you want? Quel travail vous voulez? Who do you want to work for? Pour qui voulez-vous travailler? Any job you are doing in this world, you will die. Quel que soit le again and again, with no end. Vous allez mourir. Not once. Pas seulement une fois, mais encore et encore. Huh? But if you work for Krishna, you will become immortal and happy forever. Et si vous travaillez pour Krishna, alors vous êtes immortel et heureux pour toujours. We don't surrender only because we're not thinking what it means. En fait, on s'abandonne pas parce qu'on réfléchit pas profondément sur ce que ça veut dire. We think, where is the choice? Which one shall I select? Shall I work very hard and suffer and go in the endless chain of birth and death for millions of lives without end? Or shall I be happy forever and become immortal? It's a hard choice! Et parce qu'on on réfléchit pas profondément à ce choix, est-ce que je vais choisir de travailler tous les jours, de souffrir, et comme résultat être enchaîné au samsara des vies et des morts pour tellement de vies, ou alors est-ce que je choisis d'être heureux pour l'éternité? So for us it's a difficult choice, but what if we say, look, this is a no-brainer. Pour nous c'est un choix difficile, mais Uddhav il dit what kind of person will not surrender to Krishna? It's inconceivable for me. Mais quelle sorte de personne ne va pas choisir de s'abandonner à Krishna? C'est tellement inconcevable. So Mahaprabhu is explaining this verse to Sanatana Goswami. Mahaprabhu explique ce verset à Sanatana Goswami. So then Mahaprabhu began to explain about sadhana bhakti. Mahaprabhu, il commence à expliquer la sadhana bhakti. What is sadhana bhakti? Qu'est-ce que la sadhana bhakti? Kriti sadhya bhavat sadhya bhavasa sadhana bida nitya siddhasya bhavasya prakatyam ridhi santyata. Kriti sadhya means that which is accomplished by the activities of the senses. Kriti sadhya, ça veut dire ce qui est accompli par l'activité des sens. And the senses are engaged in hearing, chanting, remembering and all the various angas of bhakti. Les sens sont engagés dans l'écoute, le chant, le souvenir et les différents aspects de la bhakti. For the purpose of attaining sadhya bhav, one sadhya means the goal. The goal is to get one particular eternal perfect mood of love. Et tout ça pour atteindre le but qui sadhya bhav, qui est une certaine saveur particulière d'amour pour Krishna. Now someone may raise the question that if this sadhana produces this love, then this love has a beginning. And anything which has a beginning also has an end and must be material. So this cannot be the goal of life. Donc un doute pourrait arriver de se dire, mais si le résultat de cette sadhana c'est cet amour divin, ça veut dire que cet amour divin il a un commencement, et donc chaque chose qui a un commencement a aussi une fin, donc ça peut pas être ça le but de la vie. So in answer, Rupa Goswami is saying nitya siddhasya bhavasya. No, this bhakti that we're trying to get is not something that we create. It is not generated by our sadhana, but it already exists, and this sadhana just facilitates the appearance of that eternal bhakti. Rupa Goswami, pour clarifier ce point, dit non, la bhakti ce n'est pas quelque chose que nous générons par notre sadhana, c'est quelque chose qui existe déjà depuis l'éternité, et notre sadhana permet de cette bhakti de venir en nous. Try to understand what bhakti is. Essayez de comprendre ce qu'est la bhakti. It's not a karma. C'est pas un karma. If you just move your senses and you do something, this is an activity of karma. Si vous bougez vos sens, vous faites différentes activités, ça c'est l'activité du karma. But bhakti is not like that. Bhakti n'est pas comme cela. Rupa Goswami a said, avirbhurya mano britto brajanti tat swarupakam swayam prakash rupapi bhasamana prakashavat.
Avirbhuya means bhakti does avirbhav. It makes its appearance. Bhakti, avirbhav, il apparaît. Exactly like an avatar of the Lord. Tout comme un avatar du Seigneur. For example, Lord Ramachandra, he is eternally existing in his Sankirtan Ayodhya in the spiritual world. Par exemple, le Seigneur Ramachandra, il existe éternellement à Ayodhya dans le monde spirituel. And when it's time for his appearance in this world, from the spiritual plane, then he does his avirbhav, his appearance in this world. Et quand le temps est venu pour qu'il apparaisse dans ce monde, alors il fait son avirbhav, son apparition, il descend dans ce monde. So he's not born. That's not the beginning of Ram. Ram is eternal, but he appears within this temporary world. Mais dans ce monde, on a l'impression que il naît, donc c'est le début de Ram. Non, en fait, il est éternel. Simplement, il apparaît dans ce monde. So in the same way, bhakti is not something that you do or something that you create. Donc bhakti, ce n'est pas quelque chose que vous faites ou que vous créez. It is Krishna's internal spiritual energy. C'est l'énergie interne de Krishna. It is the pleasure potency of Krishna, which is in the heart of his devotees, that gives pleasure to Krishna. C'est ça, son énergie de plaisir qui est dans le cœur de son dévot et qui donne du plaisir à Krishna. So, when we engage our senses in the activities of bhakti, then that energy, avibhuya manobritto, it first appears. Manobritti means chitta vritti. It appears in the movements of prana in your mind. Et lorsque nous engageons nos sens dans la dévotion, alors cette énergie, elle descend et elle apparaît sur les mouvements du prana de notre mental. You see, right now, each movement, each thought of your mind is like a wave of prana. Actuellement, chaque mouvement, chaque fluctuation de votre mental est comme une vague de prana. That prana spreads out through the chakra system, through 72,000 nadis all over the body, enabling you to move and touch and experience the world. Donc le prana, il bouge à travers les 72 000 nadis dans votre corps et vous permet de toucher, de sentir, de bouger. But that is prakriti prana, material prana. Mais ça, c'est le prakriti prana, le prana matériel. Okay. So, bhakti shakti is a prakriti prana, supernatural prana. Bhakti shakti, c'est a prakriti prana, le prana surnaturel. So when a person engages in hearing, chanting and remembering under the guidance of his guru, then that bhakti shakti from the guru goes to the disciple, and that aprakrita pran takes over his material pran. Et lorsque un disciple écoute, chante et se souvient sous le refuge de son maître spirituel, alors cet aprakrita pran vient de son maître spirituel et va conquérir son prana à lui. So bhakti is eternal. It comes down through the guru parampara and to the disciple and incarnates in his mind and senses. Donc la bhakti est transcendantale, elle descend à travers la guru parampara jusqu'au disciple et s'incarne dans ses sens. So it is swayam prakash, self manifesting. C'est swayam prakash, elle est auto manifestée. So Rupa Goswami is saying here, or rather Mahaprabhu is saying here, nitya siddhasya bhavasya prakatyamriti sadhyata. Sadhan is that which facilitates the descent and appearance of bhakti shakti. En fait, la sadhana, Mahaprabhu il explique que c'est cette chose, cette activité qui facilite l'apparition et la descente de la bhakti shakti. Now, nitya siddhasya bhavasya. Nitya siddha means eternally perfect. Nitya siddha veut dire éternellement parfait. But this is in Sanskrit one type of samas or compound called madhyapad lopi samas, a compound where there are three words, but the two outer words are joined together and the middle one disappears. Donc c'est une forme sanskrite où il y a trois mots et le premier mot et le troisième mot se joignent et le mot du milieu tombe. So nitya siddhasya bhavasya is actually nitya siddhasya bhaktasya bhavasya. It means the mood of nitya siddha bhaktas. Donc en fait, eternally perfect. In other words, those who are in the spiritual, it's their mood that comes to us. Ce qui veut dire que le mood qui vient à nous, c'est le mood des Nitya Bhakta, c'est des Bhakta, des dévots qui sont éternellement dans le monde spirituel. Et leur mood descend à nous. So, for example, c'est
Srila Raghunath Das Goswami. He's praying. Sri Rupa Manjari Karachita Pada Padma Gostenda Nandana Bujarpita Mastakaya Hamodata Kanaka Gauri Padara Vindam Sambahanani Shanakaistava Kim Karisse. He is sitting alone on the bank of Radhakund and chanting Harinam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Raghunath Das Goswami est assis au bord du Radhakund et il chante le Harinam et il prie de cette manière. And as he's chanting the holy name, then the holy name begins to manifest the beautiful form of Krishna. Et alors qu'il chante le saint nom, alors le saint nom commence à manifester la merveilleuse forme de Krishna. And the qualities of Krishna. Ainsi que ses qualités. And the associates of Krishna. Ainsi que les compagnons de Krishna. Krishna is with Radhika and her sakis. Et Krishna est avec Radhika et ses sakis. And they're playing on the bank of Radhakund. Et ils jouent tous sur les bords de Radhakund. Sometimes swinging. Parfois, il se balance. And Krishna makes the swing go so high. Radharani, she becomes afraid. Et Krishna fait aller la balançoire tellement haut que Radharani commence à avoir peur sur la balançoire. When the swing goes up like this, then when it's coming back the other way, then the air is coming underneath Radharani's skirt and blowing up her skirt. Confirm. La balançoire, en fait, elle est très très haut au moment où Radharani elle repart dans l'autre sens, alors le vent lève la jupe de Radharani. And but if she doesn't hold on to the ropes of the swing, she will fall off. Mais si elle lâche les cordes de la balançoire, elle risque de tomber. So she's thinking, what do? Do I hold down my skirt? But then I'll fall off the swing, or if I'll hold on the ropes, then my skirt will become like a parachute. Elle se dit, mais si est-ce que je lâche les cordes et je tiens ma jupe, mais là je risque de tomber, ou alors est-ce que je reste accroché aux cordes et ma robe va devenir un parachute? She has 1 second to make a decision what to do. Elle a une seconde pour prendre cette décision. And both of the options are unacceptable. Et les deux options ne sont pas acceptables. So what is the solution? Quelle est la solution? Then she has to fall forward and catch Krishna. Donc elle doit en fait s'éjecter et attraper Krishna. And Krishna is very happy. Actually, that's why he was making the swing go so high. C'est pour ça qu'il faisait aller la balançoire tellement haut. So in this way, Krishna has controlled Radhika. Et de cette façon, Krishna a contrôlé Radhika. Oh, they were playing holy, throwing colors. Et puis ils jouaient à holy, ils envoyaient des couleurs. And Krishna was winning. Krishna gagné. Sometimes they're splashing in the water and Krishna is also winning. Parfois il s'éclabousse dans l'eau et Krishna aussi gagne. So then Radharani, she said to Vishakha, oh Vishakha, you should think of another game to play because all these are power games and Krishna is very strong, he keeps winning. Donc Radharani elle dit à sa compagne Vishakha, oh Vishakha, faut que tu trouves un autre jeu parce que là tous les jeux qu'on joue c'est des jeux de garçons, alors forcément il gagne tout le temps, Krishna. So Vishakha, you should suggest that we play some game that requires some brains so that we can dispatch his pride. Radharani dit à Vishakha, tu devrais essayer de trouver un jeu où il faut un peu réfléchir, comme ça on gagnerait puis ça le calmerait un peu. So then, Vishakha Sakhi said, yes, yes, I'll bring the Juta Krida, Chaupara, dice game. Alors Vishakha a dit, ok, je vais apporter le Juta Krida, le jeu de dés. So then she bought the board and all the pieces, and Radhika started throwing the dice and gambling. Et donc elle a amené le jeu avec les dés, etc. Ils ont commencé à jouer des dés. So then, they're playing in this way, so many different games. Et ils jouaient de cette façon tellement de jeux différents. After some time, they become tired. Après un petit moment, ils ont commencé à être fatigués. So Radharani, she sits down and she drops her head in the lap of Krishna. Alors Radharani, elle s'allonge et elle met sa tête sur les genoux de Krishna. She's very happy. Elle est très heureuse. And Krishna is caressing the hair of Radhika.
Et Krishna caresse les cheveux de Radhika. Raghunath Goswami is chanting Harinam and he's seeing this beautiful pastime. Donc Raghunath Goswami qui chante le Harinam, il perçoit ce merveilleux divertissement. And he sees his Gurudev, Rupa Goswami, in the form of Rupa Manjari. Et il voit son Gurudev, Rupa Goswami, dans la forme de Rupa Manjari. Krishna wants to play some more, but Radharani is tired. So Rupa Manjari is coming and massaging the feet of Radhika that you'll become refreshed and then there'll be more pastimes. Krishna, il veut continuer de jouer, mais Radharani est fatiguée, donc Rupa Manjari, elle vient pour faire masser les pieds et les jambes de Radharani pour lui redonner de l'énergie, qui est plus de divertissement. So Rupa Manjari is holding very soft and fragrant lotus feet of Radhika in her lap and massaging. Et donc Rupa Goswami, elle tient sur ses genoux les pieds de Radharani, plein de saveurs et de parfums, elle les masse. Raghunath Das Goswami saw that he was nearby in the form of Rati Manjari. Mais Raghunath Das Goswami, il a vu qu'il était dans sa forme de Rati Manjari, pas très loin de là. And with very beautiful lotus eyes, she's looking very greedily at Rupa Manjari. Oh, I also want to do this seva. Et avec des grands yeux comme ça de lotus, elle regarde Rupa Manjari pour demander de pouvoir faire aussi ce service. So then, without making a noise or any sound or disturbing Radha Krishna, Rupa Manjari just by eyes. Donc sans faire aucun son pour ne pas déranger Radha Krishna, Rupa Manjari fait un clin d'œil et dessine des yeux à Rati Manjari. And then Rati Manjari came and she kept the soft lotus feet of Radhika in the lap of Rati Manjari and she began to finish complete that service. Et donc Rati Manjari est venu s'asseoir à côté de Rupa Manjari qui a délicatement soulevé les pieds de Radhika et les a posés sur les genoux de Rati Manjari qui a pu finir le massage. And then Rupa Manjari took up a chamara, like a fan like this. Rupa was gently fanning Radhika. A pris un sort d'éventail, un chamara pour éventer Radhika. And keeping away the bumblebees. Et pour chasser les abeilles. So Raghunath Das Goswami is seeing this. Donc Raghunath Das Goswami dans son Harinam, il perçoit cela. So what is this? This is the avirbhav of bhakti. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est l'avirbhav, la descente de la bhakti. The divine transcendental energy is manifesting in his mind, in his senses, and swayam prakash, self-manifesting these spiritual pastimes. Et donc cette énergie, elle descend comme ça, et elle se manifeste, s'auto-manifeste, elle manifeste ces divertissements qu'il peut percevoir comme cela. So don't think bhakti is something that you can do with your senses and your mind. Then you have the mood karta. This is ego. I am the doer. We are not the doer. Nam Prabhu is karta. Ne pensez pas que vous pouvez manifester par votre puissance mentale ces divertissements. Non, c'est Nam Prabhu qui est karta. C'est lui qui peut révéler et manifester ces divertissements. Don't try to do it artificially or by force. N'essayez pas de le faire artificiellement. It's impossible. C'est impossible. Only we can surrender to the service of our Gurudev and chant the holy name, avoiding the offenses, and then the bhakti shakti will descend and reveal all of these things without any effort at all. La seule chose que l'on peut faire, c'est servir notre Gurudev et écouter ses katas, et puis la bhakti shakti va descendre et se manifester sans aucun effort. So then, Raghunath Das Goswami is experiencing all the feelings. What Rupa Manjari was experiencing when she was massaging Radhika's feet, when he took the Uchista Seva, that means when he took the remnant of Rupa Manjari's service, now Rati Manjari is experiencing what Rupa Manjari was experiencing. Et donc Raghunath Das Goswami pouvait expérimenter ce que ressentait Rupa Manjari en prenant les restes de son service dans sa forme de Rati Manjari où elle massait les pieds de Radhika. So this is the meaning. Nitya siddhasya bhavasya prakatyam ridhisadhita. That the bhav of the eternal associates comes into the heart of the devotee who is doing the sadhana. Donc c'est ça que veut dire que le bhav des associés éternels du Seigneur descend dans le cœur du sadhaka. So Mahaprabhu is explaining all of these things to Sanatana Goswami. Mahaprabhu explique toutes ces choses-là à Sanatana Goswami. Now he'll tell more beautiful things, but we'll hear it in the evening. Il y a encore plein de choses merveilleuses, mais on les écoutera ce soir. Srila Sanatana Goswami Pad ki jai, Sachinandan Gauri ki jai, Jai Gaur Premanande, Jai Gaur.